Salutations et bienvenue dans la suite de notre aventure sur Don't Starve Together. Et on était en train de faire un aller-retour justement pour récupérer quelques figues. On a eu. Assuré. Rien. Alors. Hop. Alors, on est un peu en train de geler. Je vais me réchauffer rapidement. Ça prend énormément de temps. Alors. Oui, ils me régénèrent pas parce qu'ils sont bloqués, ça va. Et moi, faut que je sèche impérativement. Perdre de la santé mentale. Ah, et là je suis suffisamment haut dans ma jauge de lunacity, suffisamment lunaire pour me faire attaquer par les gestalt. Je vais partir. Ma rame se casse, mais c'est pas un problème, je peux en faire d'autres. Repartir. Notez qu'il reste plus que 3 jours d'hiver, donc il y a de très fortes chances que le Dirklop vienne nous tuer. Enfin, essaye en tout cas. Il n'a pas sa selle. Oh oh. Ça signifie qu'il l'a probablement abandonné, donc je vais devoir faire un aller-retour. Pas grave. Ouais, parce que le Buffalo se téléporte, mais s'il enlève sa selle avant de se téléporter. Ah non, elle est dans Chester. Pardon. Tout va bien en fait. J'ai bien fait de vérifier. Et par contre, je suis de nouveau mouillé. Donc, il va falloir que j'aille me sécher. Pas trop vite. Hop. Je vais pouvoir brûler l'arbre le plus proche avec ma torche. Profiter pour réchauffer ma thermal stone. Notez que si vous avez plusieurs sources de chaleur, donc typiquement deux arbres qui brûlent, vous pouvez vous réchauffer encore plus vite. Et faut que ce Buffalo s'éloigne, sinon il va brûler. Comme on peut le voir, là, il est en train de courir, paniqué. Du coup, il faut que je m'éloigne, parce que sinon, il... Alors, il a beaucoup de points de vie et une bonne régénération de base quand même, mais malgré tout. J'aimerais pas qu'il meure. Ne veille pas, petit Buffalo. Viens, mange. Thank you.
continuer de courir avec le bifalo pour en faire un bon rider. Donc je vais pouvoir revenir à ma base et me faire quelques petits pour faire pousser mes arbres. Et pour dire club, bah, je le ferai se battre contre les araignées pour me faire un énorme stock de toile et de glandes d'araignée. Ça, j'aurai plus de problème dans le futur. Hop. Je sais que je suis toujours en surchauffe, hein, donc je... J'ai une très très bonne isolation thermique. Ensuite, je récolte, je récupère mes 10 de Gloomer Goop. Et je vais refaire mon tri de jam. Également un bon cadeau. Sécher. Le coniveau, je m'occuperai plus tard, t'inquiète pas, monsieur Oise. Alors. Ça c'est pourri, je vais... Ah, un nouveau point. Et on va continuer. Sur les gemmes. On débloquera plus en détail quand on sera dans les ruines. Je vais me faire un peu de nourriture quand même. Pas dommage de mourir de faim en si bon chemin. On est plutôt pas mal. Oula, j'aurais pas dû la manger celle-là. Hop. On est reparti. Et comme on peut le voir, les pingouins sont déjà repartis, donc plus que deux jours, le Deer Club ne devrait vraiment pas tarder. Qu'il a deux fleurs. On a toujours notre ami le co-éléphant. J'aurai largement assez de tree jam. Donc j'aurai probablement besoin de refaire un aller-retour, ce qui est une bonne nouvelle. Hop. Je vais laisser ça ici. Et je vais retourner à la base et je pense qu'on peut se préparer une petite expédition dans les cavernes pour ce début de printemps. Je récupère la plume, récupérer tout en fait. Les os sont à moitié pourris. Bah, je vais tout de suite les cuire, comme ça on fera en plus de la nourriture.
tellement de manure qu'on peut... Non, pas ici. Ah. Oups. Si je suis proche de l'endothermique fire pit, donc le feu endothermique, je vais perdre de la chaleur corporelle et c'est pas du tout ce que je veux. Petit misclic malencontreux. La plume, je vais la ranger ici. Hop. L'eau. Beaucoup de centre mental. Ah tiens. Je voulais vous montrer aussi. Maintenant que j'ai une gemme bleue en plus. Donc je vais faire un deuxième socket à gemme. Hop. Être ici. Et je vais aller au trou de verre le plus proche, donc par exemple celui-ci. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon item et je vais le faire passer par le trou de verre en fait. Et si on voit ici, on retrouve notre gemme. Si je jump dans le trou de verre, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà on voit que la gemme est juste à côté. Et si je lui redonne une gemme, hop, ça va me permettre en fait de marquer les trous de verre de la carte. Et comme là j'ai fait avec les gemmes bleues, il y a encore plein de gemmes différentes, donc il va y avoir les gemmes rouges, les gemmes violettes, les gemmes vertes, oranges, jaunes. Je crois que c'est tout. Et du coup, en fait, ça va me permettre de marquer les trous de verre et de savoir quel trou de verre mène à quelle zone. Donc là, par exemple, je sais que si je veux faire cette allée-là rapidement, bah, je peux passer par ce trou de verre. Par exemple, celui-là, je sais pas où il mène. Et je pourrais lui donner, comme ça, des gemmes de couleurs différentes pour marquer et montrer où il va me mener. Hop, je vais rester un peu... Bah tiens, je vais dormir. Parce que j'ai énormément de stock de nourriture. Et j'ai pas vraiment de quoi régénérer ma santé mentale ou ma santé tout court. Donc je vais juste dormir, comme ça, ça va me redonner toutes mes statistiques tranquillement. C'est un bon moyen de passer l'hiver. On voit que ça va assez vite en plus. Hop. La journée arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans mon ami Chester? Ça, j'en aurais pas besoin, je pense, pour l'instant. Je vais pouvoir les laisser sur le sol et... C'est la dernière journée, donc je suis sûr que Deer Club va spawn. Donc je vais rester proche des... Je vais rester proche des araignées en fait, comme ça dès qu'il va apparaître, on sera déjà chez elle. Je vais peut-être vouloir en profiter pour miner de l'or. Il y aura de l'or au sol, je pense. Ouais. Je vais pouvoir récupérer de quoi me faire une pioche là-bas.
sortir. Ah voilà. Alors, je vous fasse attention parce que Chester passe derrière moi et Chester aggro les araignées. Donc ça peut être problématique. Ouais voilà par exemple. Ok c'est bon, ils ont perdu la voix. J'espère que Dirklop n'a pas spawn alors que je regardais pas la map. Enfin, que je regardais pas parce que c'est possible parfois, étant donné que j'ai fait des expéditions en mer. Qu'il soit apparu alors que je sois tout simplement loin de la terre. Et que, il soit quelque part là sur la carte. Et que je puisse pas savoir où. Ça m'inquiète quand même parce que c'est assez rare que Dirklop spawn aussi tard. Donc sinon faudrait que je parte à sa recherche, mais comme il reste pas après l'hiver. Bon je vais terminer de miner de l'or et je m'inquiéterai après. Ce sera qu'un printemps de plus sans Aibrella. J'en ai déjà fait un. Bon. Si Dirklop était apparu, il serait où? Il serait peut-être dans cette zone. Je vais en profiter directement pour regarder un peu. Normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dirklop est de balade. Même si vous le générez pas, il risque de se balader un peu. Et il est agressif envers toutes les créatures neutres. Enfin, gentil, donc typiquement les pigmen et les structures, donc il risque de détruire votre base en fait. Alors, je pense pas que ça soit le cas parce que moi je suis suffisamment loin et ça se trouve il s'est aléatoirement déplacé ici et... J'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que ma base est toujours là donc. Il y a peut-être un Dirklop sauvage quelque part. Hop, je récupère tous les œufs.
juste les cuire. Comme ça, ça m'évitera de... Ça m'évitera qu'ils pourrissent. Et bah j'aurais pas eu de dire clope. Bon. C'est aussi un moyen de faire face à la menace, hein, on juste partait. Et hop, pas de problème de dire clope. Quand même un peu dommage. Chose à lui donner à manger. Non, j'ai rien. Mince. Hop. Ah oui, il va falloir vite que j'équipe mon chapeau de buffalo parce que sinon il va être agressif. Dès le début du printemps, on le voit. Il est déjà en rue. Alors je peux déséquiper ça et rééquiper mon sac à dos qui est ici. Voilà. Quand mes champs vont repousser, je les récupérerai. En attendant, voilà, là c'est le problème actuel. Et bien évidemment, il se met à pleuvoir. J'ai toujours mon parapluie. Et le plus gros désavantage du parapluie, c'est qu'on ne peut pas... On ne peut pas se déplacer rapidement avec la canne de marche quand on porte un parapluie. Mais comme je suis à dos de buffalo, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Chester ici pour l'instant et je vais faire en sorte que le buffalo s'éloigne parce que je peux pas monter sur le buffalo tant qu'il est en combat. En tout cas, tant qu'il est en train de taper Chester. Également que je fasse gaffe à Gloomer. Donc reste ici pour l'instant. Et qu'est-ce que je veux? Ce que je voudrais, c'est redevenir fou pour farm un peu de Nightmare Fuel. Je vais faire des... Juste des omelettes. Non. Ah. Vraiment tuer tout ce qu'il voit. Hein. Mets-toi ici. Et sois tranquille. Je peux tuer les papillons si tu veux. Mon parapluie, je peux ranger cette timbalstone, j'en ai plus besoin.
L'Otamo Chanter, bah, je peux pas l'équiper parce que mon Bifalo n'est pas encore domestiqué. Ah. Et les sapins commencent à repousser, donc je peux tous les récupérer. Notez que je reste sur mon Bifalo, même si ça prend un peu plus de temps, pour continuer d'augmenter sa domestication et son obéissance. Là, il a changé, il est plus en train d'évoluer en rider. Ah, là, c'est bon. Mais juste avant, il était plus en train d'évoluer en rider. On voit que son design a changé. Ah là là. Hop, ici. Ou alors c'est juste des animations différentes. C'est difficile de faire la différence entre un rider et un Bifalo normal parce qu'ils sont très très proches en termes de design. Vous m'excuserez pour ça. Je vais continuer d'avancer. Là il y a le co-éléphant qui est en train de... Non! Bonne chance à toi, quoi, éléphant. Les nobiteries sont toujours en train d'être fertilisées. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer un peu de peau de cochon. J'ai encore un peu de durabilité sur ma bat, donc je vais en profiter. Bifalo loin de Gloomer. Lanterne au sol. J'ai 8 de viande de monstre. Je vais même me refaire une ambat fraîche. Je vais me refaire un peu d'armure. J'espère que mon herbe a poussé. Non, toujours pas. Bon, tant pis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'herbe depuis tout simplement les terres aux alentours. Et on va tuer le boss du printemps après cela. Non, il est toujours pas. Voilà. Alors, il faut que j'aille tuer des cochons. Les cochons, on n'en avait pas loin. Ils étaient où déjà? Voilà, ils étaient là. Sauf qu'il n'y a pas d'herbe dans le coin. Et moi, j'aimerais bien avoir au moins 3 d'herbe. Je pense que j'ai le temps d'aller chercher. En plus, comme ça, j'en profiterai pour faire baisser ma santé mentale. Parce que l'aura de baisse de santé mentale des cochons-garous est extrêmement élevée.
Et bien évidemment, moi j'affrontais des cochons-garous. Dans le but de récolter de la viande et surtout des peaux de cochon. Alors, je vais laisser mon cochon, mon buffalo, pardon, loin, histoire qu'il ne se fasse pas tuer. Hop, j'espère que ici il sera safe. Je vais m'éloigner. Et je vais aller voir ce cochon. Ah, parfait, la pluie s'arrête. J'ai besoin de ce chapeau. Et je vais lui donner 4 viandes de monstre. 2 3 4 On peut voir ma santé mentale qui diminue très rapidement. Hop. Et on va faire pareil avec lui. Notez que vous pouvez profiter de la transformation du cochon pour mettre des coups. J'ai clairement pas diminué suffisamment ma santé mentale pour chasser des créatures des ombres. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a une autre technique pour faire descendre sa santé mentale. Alors, on peut bien évidemment manger du Gloomer Goop. Et moi, ce que je vais faire, je récupérerai mon buffalo après, c'est que je vais passer par le wormhole. Parce que chaque fois que j'y passe dedans, c'est 15 de santé mentale en moins. Du coup, juste en spammant, on peut la faire descendre assez rapidement. Même si ça prend un peu de temps. Qui a plus efficace, hein. J'aurais pu prendre juste du Gloomer Goop et perdre 50 de santé mentale par 50 de santé mentale, mais là j'avais envie de vous montrer cette technique. Alors le problème c'est que parfois à l'arrivée, voilà, j'ai fait spawn une créature des ombres et parfois on s'est tapé à l'arrivée. Et là, je suis suffisamment fou. Pour optimiser, je vais même équiper une Dark Sword. Pas me battre avec, mais je peux la garder et je vais équiper également ma Nate Armor. Comme ça, ça ira encore plus vite. Comme d'habitude, la technique de Kite. On met un coup, on recule, on met un coup. N'oubliez pas que pour la faire, il faut avoir désactivé la compensation du lag dans les options du jeu. Donc là je suis complètement en armure, donc je deviens fou assez rapidement. J'accélère un peu le processus en repassant par le trou de verre et j'arrive à zéro. Hop. Je réutilise bien évidemment ma zone de combat, comme ça me permet d'être sur la route, donc de kite plus rapidement.
enfin plus facilement. Et ça m'évite de me prendre des coups. Là, je joue uniquement avec les touches directionnelles et F. Hop. J'aimerais bien un peu plus d'ombre, mais elles ont pas l'air de vouloir apparaître. Récolter un peu de miel, profitant du fait que je porte une armure. Notez que la technique pour le pattern de kite fonctionne également sur les ombres. Tout est codé de la même manière, c'est assez consistant. Là, je ferme la porte et l'ombre. Je pense qu'elle est bloquée et passe par l'endroit où la porte est ouverte. Alors là, comme il y a plusieurs ombres en même temps, j'utilise la souris pour bien m'assurer que mon personnage va taper la bonne. Aïe. Et je récolte mon Nightmare Fuel. Je pense que... Je vais me faire encore deux ombres, histoire de pouvoir me faire deux Dark Swords, et ce sera parfait. Je suis pas assez fou, donc je mange un green cap et je suis complètement fou. 52 santé mentale en moins. Alors là, il me manque un peu de lumière, donc je vais alimenter mon feu. Voilà, comme ça je ne me ferai pas surprendre. Par mes propres bâtiments. Notez que à ce stade là, la Hambat ne fait plus énormément de dégâts. C'est quasiment pourri. Mais ça reste suffisant pour ce que je veux faire. Hop! Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais rééquiper ma lanterne. Ranger ce Nightmare Fuel. Je vais me faire également une deuxième Hambat. Hop, elle sera, je l'espère, encore plus efficace. Aïe. Je suis encore suffisamment fou pour qu'elle m'attaque. Oula, la Crawling Aurore. Bah, c'est même bien. Comme ça, ça me permettra de régénérer ma santé mentale. Les endroits pour se battre, ça va, c'est peut-être l'un des pires, étant donné qu'on se retrouve souvent bloqué en fait par nos propres bâtiments. Voilà. Et forcément avec l'armure de nuit équipée, je reperdais de la santé mentale, donc ça n'allait pas. Hop. Donc, je vais me remettre à 100% de santé mentale. Et je pense que je vais vous dire à demain pour un prochain épisode. A plus !